Est-ce que vous avez sous-estimé mon pouvoir? Vous n'auriez pas dû. Car maintenant, le désastre s'abat sur vous. Que l'enfer s'abat sur vous. Eh bien, bonjour à tous, ici Lord Sijoten. Vous constatez que j'ai encore une nouvelle machine. Electric Weapons de EG Minecraft. J'aime bien EG Minecraft, franchement. Il est très bien, il fait des très bons command blocks. Notamment avec un villageois. Si on drop un... Ceci à un villageois, vu que j'en ai... Je vais tester. Recul. Si. Oui. Ça devient un nouveau... Comment on appelle ça déjà? Comment on appelle ça? J'ai oublié. Un marchand. Un nouveau marchand, oui. Qui nous donne plein de petites armes que voici juste là, ici. Par contre, je vais récupérer mon... Merci. Du coup, nous avons quelques armes de destruction massive qu'il faut payer avec Gold Ingot et Redstone. Commençons par la Electric Bow. Déjà, des particules spawnent autour de vous. Electric Bow. Que le pouvoir des Robrines se déchaîne sur ce village. Et j'en ai encore d'autres en stock. Le Super Explosive Electric Bow. Là c'est un effet de lévitation. Non, c'est les effets de des endrods. Visez cette maison là. Lightning Stambo. Total Lightning Destruction. Maintenant Total Lightning Destruction. Une étoile. Oh oui. Ne venez plus jamais me défier à partir de maintenant. Une petite bombe. Voilà, ça c'était le minuteur. Spawn villageois. Non, c'est pas ça qu'il me faut. Oups. J'avais oublié que normalement c'est par 16. Non, une electrical bomb. Maintenant, une tempête.
vous avez sous-estimé mon pouvoir. Maintenant, apprenez qu'il ne faut pas. Voilà, on a encore détruit l'univers. Mais si on s'intéressait à une nouvelle commande, pourquoi je n'ai plus mon commande bloc? Intéressons-nous à cette nouvelle commande. Que va-t-elle nous faire? Allons chercher la commande, comme d'habitude. Vous allez dans le site qui est dans la description. Attendez un petit peu. Ok. Alors, je vous propose maintenant une nouvelle commande de destruction massive. Je suis juste en train de la chercher. Vous trouverez la commande ici, sur le pastebin. CTRL-C, CTRL-V. Ah non, c'est une commande 1.8, fuck. Un petit instant. Bien, maintenant voyons voir ce que donne Satan. Oups. Bien. Ce machine is fully assembled. Le boss Satan. Par... Combien? Comment? Freeze Fire. Pas oublier de donner les crédits, évidemment. Explanation. Vous aurez besoin de tout ce que j'ai ici, c'est-à-dire une Blaze Rod. Un cool... j'ai oublié le reste. Ah, j'ai oublié l'ordre qu'il donne en fait. Donc c'est Blaze Rod, Coal, épée en diams, bloc d'iron et bloc de redstone. Vous dropez tout cela. Ah non, j'aurais mis un autre bruit que ça. Et vous avez le boss. Et maintenant, pour invoquer ce boss, vous avez encore besoin d'un bloc d'iron. Et vous posez dessus! Évidemment. Salut! Age Game Mode 0. Il est temps de voir de quelle boîte tu te chauffes. Pas comme ça. Ah, invocation de tes démons. Tu crois réellement que c'est ça qui pourra m'arrêter dans ma quête de pouvoir?
Voilà comment fut vaincu Lord Sijoten. Mais si Satan était la solution pour Lord Sijoten, qui sera la solution pour Satan? Qui aura le pouvoir, la puissance et la volonté pour vaincre cette nouvelle menace? Qui pourra sauver